C'est qui ? Michael Schulte, 28 ans, a commencé par poster sur YouTube de nombreuses reprises, qui lui ont valu de rassembler quelques 200. abonnés pour plus de 50 millions de vues. Il a depuis accédé à une célébrité encore plus large en sortant 3 albums studio. En début d'année, il a remporté un Célier für Lissabon, la sélection nationale allemande, avec Jule im Walkelon, dans laquelle il s'adresse à son père, décédé quand il avait 14 ans. Le refrain de sa chanson Jule im Walkelon, nous étions 3 enfants, et une mère aimante. Tu as fait de cet endroit un foyer, un refuge pour s'abriter des tempêtes. Tu me disais que je n'avais qu'une vie et un cœur pur. J'ai fait de mon mieux et parcouru un long chemin, mais tu ne le seras jamais, car tu m'as laissé marcher tout seul. Fermez les guillemets, l'Allemagne est qualifiée d'office pour la finale de l'Eurovision, diffusée le 12 mai sur France 2. Le fan dit, la vache, cette chanson me donne la chair de poule, elle est si émouvante, et son message est fort. Commentaire YouTube, le AT dit, pourquoi l'Allemagne envoie-t-elle, elle a un type s'il est à l'Eurovision, ils ne gagneront jamais avec lui. Fermez les guillemets, commentaire YouTube, 20 minutes dit, si l'Allemagne a remporté l'Eurovision 2010, et a fini dans le top 10 en 2011 et 2012, depuis, elle enchaîne les déconvenues au concours, avec, notamment, une avant-dernière place en 2017 et 2 dernières places en 2015 et 2016, Michael Schulte inverse raté-il la tendance. On ne miserait pas vraiment là-dessus, même si le texte de sa chanson ne manque pas de sincérité. Il s'inscrit dans la lignée d'un Ed Sheeran, mais ne parvient pas à se démarquer véritablement de la star britannique, dont il semble ici être une copie.